Salut tout le monde. Alors on va vous parler des problèmes inhérents au culturisme, à l'entraînement excessif, avec comme exemple le premier réel culturiste dont Michael Degendil vous a parlé, c'est Milon de Crotone. Nous avons ici en haut Milon de Crotone qui veut prouver sa force. Vous savez, c'est celui qui a trouvé la résistance progressive. Il a commencé par soulever un veau quand il était jeune, mais tous les jours il soulevait jusqu'à ce qu'il devienne un taureau adulte. Donc il est devenu très fort, la résistance progressive, et pas les deux chaises. Donc il est là, en train d'écarter un tronc d'arbre, voulant prouver sa force. Personne n'est capable d'écarter un tronc d'arbre comme ça, c'est vraiment être terriblement fort. Et en écartant le tronc d'arbre, il a sa main glissée, le tronc d'arbre s'est refermé sur ses doigts. Le pauvre Milon, qui était pourtant le plus fort, s'est retrouvé coincé, la main dans le tronc d'arbre. La main dans le tronc d'arbre, le lion est venu, il ne pouvait plus se défendre, et le pauvre Milon s'est fait dévorer tout cru. Comme quoi, amis culturistes, entraînez-vous, mais évitez de faire trop lourd, vous finirez blessé. Sachez vous entraîner avec modération et intelligence pour atteindre les sommets du développement. C'était Fred de la Vieille.